qu'on a fait pour le projet Star Wars. Je ne peux pas révéler que les sociales. Ben, tu vois, Simon, Among Us, je sais que ma belle-fille, Virginie, elle va commencer à faire... Pendant que tu lèves non bientôt, salut Goul. Tu vois que ma belle-fille Virginie avait commencé à faire du stream, c'est à ça qu'elle veut jouer aussi. Je sais qu'elle se fait une couple de fois qu'elle me gosse pour jouer. J'ai vu du gameplay un petit peu, ben pas du gameplay, mais j'ai vu le genre de graphique, pis tout, j'étais comme, ouais, je sais pas. Non, ce que j'essaie de me trouver des moments Goul pour streamer, des moments qui seraient stables, puis je sais que. Peut-être pas tous les lundis matin, parce qu'il faut que j'amène ma fille à l'école, parce que, tu sais, ça, c'est une autre affaire qui a changé avec la COVID. Moi, je veux pas qu'elle prenne l'autobus. Fait que, comme j'étais à la maison, ben, tous les matins, je vais l'amener, tout ça. Fait que, tu sais, aller jusqu'à 9h30 le matin, moi, je peux pas streamer d'habitude. Là, on est en congé, fait que, je peux. Tu sais, je vais aussi me trouver des moments stables pour que, au moins, tu sais, que le monde sache. Telle plage horaire, d'habitude, Martin, il est là. Pour qu'il soit de nouveau en sécurité. Je vous enverrai les coordonnées du point de rendez-vous le moment venu. Ok. Blablabla. Pas faute. J'ai sous-estimé les réparations. Maintenant, c'est tout le projet. Non, mais tu vois, Simon, quand on est dans le cockpit, puis tous les graphiques sont vraiment beaux, ça, tu sais, c'est en semi-2D, tu sais... C'est pas vraiment de la 3D, là. Les sprites sont pas mal 2D-ish. Là. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est comme un remake des anciens jeux X-Wing et TIE Fighter sur PC qu'il y avait eu dans les années 90. C'était pas mal le même principe. Tu arrivais sur des écrans statiques comme ça, tu choisissais que tu s'en allais. C'est vraiment la même maudite affaire. Puis quand tu arrives dans le cockpit, c'est là que le fun se passe. C'était pendant la bataille de Mimban, la première année de la guerre des clones. Les séparatistes avaient largué un bataillon de droïdes B2 sur les plaines de Nance, nous coupant de la 224e division de clones. Ça, je l'avais pas lu hier. Un orage brouillait les communications, alors j'ai pris un Skyhopper pour retrouver la 224, en espérant obtenir des renforts. Ça a mal tourné. J'étais à mi-chemin dans les plaines quand ces droïdes m'ont abattu. Croyez-moi, vous ne verrez jamais un aussi beau crash. Problème, mon bras est resté coincé dans les débris. J'ai pensé qu'il valait mieux vivre avec un seul bras que de rester là à attendre que les droïdes me trouvent. Et puis, on a besoin que d'une main pour tenir un blaster, non? Je me suis sorti de là avec un seul bras et une humeur massacrante. Je vous garantis que ces clones n'avaient jamais vu quelque chose comme moi auparavant. Mais ils m'ont soigné, puis ils nous ont aidés à dégager ces maudits droïdes de la planète. Si seulement j'avais su que 3 ans plus tard, ces clones seraient remplacés par des Stormtroopers. Enfin bref, on devrait revenir au hangar. Et Victor Hum a besoin de nous. Ce qui est drôle, Gunny. Le style d'humeur massacrante tout le temps. Ok, là, son erreur. C'est juste ça qui est pas des fois, faut tout lire. Mais au moins, on a la chance de skipper. C'est juste que là, vu que c'est la première fois que je joue, j'ai mieux les lire un petit peu, là, des fois que. Tu sais, on l'a vu dans le dernier live que quand que je suis pas mes objectifs, je peux tourner en rond pendant une demi-heure et ça sert absolument à rien. Je fais juste perdre du temps. Ils ont probablement saboté l'hyperdrive avant que nos soldats ne puissent les chasser du vaisseau. Je sais, c'est fou. Mais quand Keo a un pressentiment, Yel a souvent raison. Ne l'écoutez pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Sur Myrial, on nous apprend à respecter et écouter la force. Je peux pas l'atteindre et la toucher comme les... Enfin, comme les autres peuvent. Mais parfois, j'ai juste... une intuition. J'aime pas en parler. Vous savez pas qui peut vous entendre dans la galaxie en ce moment. Mais... sérieusement... Vous allez nous prédire le résultat de la loterie corélienne. Vous rigolez? Les gens s'attendent à ce qu'on les sauve, et vous, vous pensez au crédit? Puisque... vous voyez tous les nombres, donnez-les-moi, ok? Autant qu'ils servent à quelque chose. On ferait mieux d'y aller. Ok. Oh, cette fois-là, c'est un A-Wing. Les A-Wings vont aussi vite que vous pouvez les piloter. Leurs coques et boucliers sont trop légers pour affronter les vaisseaux amiraux. Mais les chasseurs impériaux n'auront aucune chance avec vous dans ce cockpit. Nous
avons quelques options pour rendre votre chasse au TIE plus efficace. Moi-même, j'adore les lasers à cadence rapide et les roquettes de barrage. Arme principale, cadence rapide, vous voyez. Missile, tête chercheuse. Ok, là je peux changer. Tir rapide, missile droit devant, bien sûr, là. Efficace, vous êtes assez proche, ouais. Mon but avec ça, c'est justement de pas trop m'approcher, fait que. ...9.1 tir seconde, puis lui c'est 16.7 tir seconde, 6 balles. Ok. Ah, il y a plein d'options. C'est fou. Matériel standard, c'est quoi le l'autre? Pour son codex, pour atteindre sa vitesse maximale et s'arrêter rapidement. Parfait pour semer les ennemis essayant de vous suivre. Puis l'autre, c'est. Pas de bonus d'inconvénients, un bon choix polyvalent, mais un excel dans aucune catégorie. Sauf que moi, je me fais souvent poursuivre, fait que je pense que je vais y aller avec celui-là. Ok. Phasmaphobia, c'est quoi ce ghoul? Désolé si je me mouche en masse, là. C'est un matin où j'ai bien des allergies. Le jeu devrait être un petit peu plus fluide, un jeu en alpha de chasseur de fantômes. Ouais, le jeu a de l'air plus fluide que l'autre fois. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, Céline? Et alors, notre destroyer stellaire est en danger. Vanguard, content de vous voir. Vous pourriez m'obtenir ces bombardiers l'autre jour? On s'en occupe, Victor, bougez pas. 5 interceptés, ces bombardiers. Ardier TIE, on doit gagner du temps. Ah, comment je faisais pour les targeter? Merde! Tous les ennemis, comme ça. Vous devriez activer les turbolasers. Impossible. Leurs armes ioniques ont détruit le système. On était sans défense jusqu'à votre arrivée. Compris. Leurs bombardements ont accéléré. Vous risqueriez perdre le contrôle, au pire. Merde. Je vous l'avais dit. On est parti. C'était quoi, c'était... ça. C'est pas évident les contrôles dans ce jeu-là, parce que... ça, c'est mon bouclier. Comme j'ai dit mercredi, là, c'est pas un jeu d'action standard comme Star Fox. C'est vraiment un autre type de contrôle qui est pas évident par moment. De là 2 secondes, là. Ouais. On va venir sur les blasters, là, même sont où.
ralenti, ralenti. Ça fait mal. Je suis vraiment mal en pince. Voilà le jeu que tu peux laisser tomber pendant une couple de jours puis revenir après puis penser que t'as à point dessus. Ok, attaquer. Cibler un ennemi, pour donner une attaque. Vous copiez sur un. Ok. D'autres. Tantôt il y en avait juste deux, mais il y en a d'autres. Ok, table là. Allez, tirez là-dessus! Hey, tu t'en vas où? Tu pètes? T'as rien ça? En attente. Attaquez ça. Okay. S'occuper de elle en premier. Là. Il ne faut pas qu'une seule navette s'approche du Victoron. Ouais, suis comme fou. Okay.
X-Wings en renfort. Ils s'occuperont de bombarder ces transporteurs. Ne laissez aucun chasseur TIE s'approcher d'eux. Ça, ça veut dire qu'il faut que... on se débarrasse des TIE Fighters. On a votre équipe de défendre nos alliés. C'est un vaisseau, une structure, ami. Ok. Il me suit lui là, je suis capable de la lever. Yes. Je sais que l'ennemi me suit, mais est-ce que je peux? Ouais, merci beaucoup Simon pour le resub. Bonne journée à toi. Hey, Simonac, ça c'était pas fort. Dernier test, Vanguard. Dispersez-vous et ouvrez l'œil. J'ai vu de jolies choses, Kyo. Vous devriez apprendre ce qu'il y a au reste de l'escadron. Vous voulez apprendre maintenant? Je vais d'abord voir comment 5 s'en sort. Ok, suivez-moi. J'ai appris à piloter sur l'étoile de Cauchy. Tout d'abord, transférez toute la puissance dans vos moteurs et volez le plus vite possible.
moteurs à fond. Oui, on va faire trembler le pont du Victorum. Préparez-vous au boost. Ok, on s'apprête à mettre les gaz. C'est parti. Quand vous êtes prêts, tirez aussi fort que possible et coupez vos moteurs pour déraper. Virer serré, puis maintenir. Sauf que je suis pas capable d'arrêter quand je le fais. Puis là, on tourne. Ok, Victor, on est en position. On va où? Un endroit secret. Je vous ai envoyé les coordonnées. C'est bon, on y va maintenant. Sont en hyperespace dans 3, 2, 1. Foncez! Qui ont un moteur en plus qui ont lâché. Il faut qu'on y aille maintenant. J'ignore ce qui s'est passé. Tout allait bien et tout à coup nos systèmes se sont juste arrêtés. On dirait que votre suppresseur de mauvais in est bloqué. Purgez le système, puis relancez-le. Ça devrait aller mieux. Encore des vaisseaux impériaux. Ils veulent vraiment récupérer leur destroyer stellaire. Non, ils sont là pour le détruire. Vous pourriez les retenir encore un peu ? On a passé tout le trajet pour ne rien faire. C'est maintenant ou jamais, Vanga. Protégez le Victorum. Je lance la purge du système. Il y en a pour combien de temps? Bien trop à mon goût. Il faut détruire les radars. Celui-là.
tour de bombardier ici. Ok, là on se regroupe. Cool. Ah oui, tout le monde, on se sort de là, on décolle. Oh shit. Ça a tout pris. C'est ici que le patron garde son projet secret. Qui voudrait s'approcher si près de la nébuleuse de Ringali? Je crois bien que l'idée est là. Ça. C'est pour ça qu'on a collecté des vaisseaux impériaux. Pour le fabriquer. On l'appelle le Starhawk. Il va nous aider à mettre fin à cette guerre. Général Syndulla. Bonjour, Vanguard. Bienvenue sur les chantiers navals de Nadiri. Je vous aurais bien fait visiter, mais l'Empire sait que nous préparons quelque chose. Il nous recherche. Ce qui veut dire qu'on a du travail. Et j'ai pas grand médaille, hein. Un vieil ennemi a enfin refait surface. Un de mes espions a fait le lien entre les attaques contre nos destroyers et le projet Starhawk de la Nouvelle République. Ce qu'ils ont en commun, c'est Lyndon Jay. Vous connaissiez Jeff mieux que quiconque, capitaine. Pas vraiment. Sinon, je l'aurais éliminé avant qu'il nous trahisse à Port Fostar. Alors voilà votre seconde chance. Les rebelles se font plutôt discrets. Prenez l'escadron Titan, trouvez ce Starhawk et éliminez-le. Avec plaisir, amiral Sloan. Si vous permettez, il y a une nouvelle recrue que je veux sur cette mission.
République. L'ordure qui nous prend nos vaisseaux? Bien. Plus on est de fous, plus on rit. Du calme, Von Reg. Ne perdez pas de nouveau votre sang-froid. Quand j'ai transpercé tout un escadron de rebelles et sauvé votre peau... Concentrez-vous. Shen a raison. Calmez-vous, Sol. Et Von Reg. Gardez-en pour l'ennemi. Overseer à Titan, terminez l'inspection. Votre nouvelle recrue est arrivée. Non, puis là, c'est le fun qu'on va voir le côté de cette histoire-là avec l'Empire. C'est ça que je trouvais drôle, parce que je sais que c'était ça qui était censé arriver aussi, mais on n'a pas vu souvent les bouts de l'Empire là, pour l'instant. Là. Alors, c'est vous notre nouvelle recrue? Bienvenue dans l'escadron Titan. Varko Gray, leader de l'escadron. Je crois qu'on vous attend dans la salle de briefing. Faites une bonne première impression. Bienvenue chez vous, pilote. Cela faisait bien longtemps depuis Porphostar, n'est-il pas vrai? Un imbécile trahit son escadron, et des officiers loyaux comme nous sont réaffectés dans la honte. J'ai su votre transfert sur la bordure extérieure. J'ai eu le secteur Meram, protégeant les convois de carburant des Vauriens et des pirates. C'était le genre d'affectation souvent synonyme de fin de carrière. Avant Endor. Avant que Lyndon Javes ne réapparaisse. Mais ça, vous le savez. L'amiral Sloane m'a demandé de pourchasser ce traître et de mettre fin à ce projet Starhawk. Il m'a semblé logique de vous rappeler pour m'aider à éliminer Lyndon. Votre empire a besoin de vous, pilote. Vous acceptez? Bien. Désormais, vous volerez sous le nom de Titan 3. Mettez-vous au travail. Titan 3, Titan 3. Une de nos espionnes, l'agent Thorne, a découvert des renseignements cruciaux sur le projet Starhawk. Votre mission est de l'exfiltrer d'un avant-poste orbital au-dessus d'Osnian Prime. Votre mission sera de sécuriser l'avant-poste pour notre équipe d'exfiltration qui arrivera à bord de la navette Gladius. Derrière les lignes ennemies, vitesse et précision sont requises. Il n'y a pas de place pour l'erreur, Titan. Pour y accéder, vous devrez éliminer les défenses périphériques. Les renseignements signalent des plateformes de missiles défendant l'espace d'Osnian. Détruisez-les. L'avant-poste est lui-même protégé par des canons turbo-laser de tous les côtés. Évitez-les et détruisez-les tous. Lorsque vous aurez sécurisé la zone, escortez le Gladius vers l'avant-poste et notre équipe d'exfiltration récupérera l'agent Thorne. Une fois Thorne en sécurité, retrouvez vos croiseurs Gozanti et revenez sur l'Overseer. Ne perdez notre espion sous aucune circonstance. Ce sera tout. Sol les gobelets. Je suis Rayla Sol. Vous n'avez pas besoin de vous présenter. J'ai déjà lu vos états de service. Ça fait très longtemps que vous n'avez pas été au front. Autrefois, une mission comme la nôtre aurait mobilisé n'importe quelle ressource disponible. Malheureusement, les temps sont durs depuis Endor. En une bataille, nous avons perdu notre empereur et gagné une centaine de factions rivales. Si seulement l'empereur Palpatine n'avait pas dissous le Sénat impérial, au moins les sénateurs, comme mes parents, auraient pu maintenir l'ordre après Endor. Mais non. Je ne remets pas en cause la décision de l'empereur, évidemment. Et maintenant qu'il n'est plus là, nous devons nous tourner vers l'avenir. Et réinstaurer le Sénat permettrait de calmer tous ces conflits internes. On se revoit plus tard, peut-être. C'est ça que j'aime dans ces jeux-là, puis c'est ça que j'aimais dans TIE Fighter en 80, dans les années 90, c'est que ça nous permettait de voir maintenant, un petit côté de l'Empire qu'on voit pas jamais, d'habitude. L'Empire a besoin de soldats de confiance comme l'agent Thorne, comme vous. Seule l'union nous permettra d'avancer. J'imagine que vous partagez la même vision de l'Empire que l'amiral Sloane. Nous ne pouvons pas nous diviser. Pas après Endor. Cette mission est une étape essentielle pour démanteler la rébellion. Ce sont des rebelles.
Ne vous laissez pas tromper par leur nouveau nom. La nouvelle République tombera, comme la précédente. C'est à vous de jouer. Allez au hangar. Préparez votre vaisseau. Vous êtes la nouvelle recrue. Je suis Avina Von Reg. Titan a toujours besoin de pilotes, tant que vous êtes capable d'éliminer des rebelles. Nous allons directement sur leur territoire, Osnian Prime. Donnons à cette vermine une idée de ce qui s'est passé sur Endor. J'y étais, vous savez, lorsque la rébellion a assassiné notre empereur, la moitié de mon équipe est morte en essayant de le défendre. La capitaine Kerrill comprend. Elle ne me fait pas la leçon des forces justifiables comme mes autres commandants. Elle sait que j'ai surtout besoin d'une cible. La politique, c'est pour les amiraux. Je fais dans la simplicité. Je tire toujours pour éliminer. S'attaquer à l'escadron, c'est s'attaquer à moi. Mais faites votre travail, et je vous couvrirai. À plus tard. Waylon. Vous devez être la nouvelle recrue. Sergent Waylon, mécanicien en chef et responsable de l'équipe du hangar. Voler ne m'attire pas vraiment, mais je travaille sur les TIE depuis leur apparition sur les chaînes de montage. Votre chasseur est entre de bonnes mains. Overseer a souffert sur Potor et Jael, mais il a été complètement inspecté et révisé pour cette mission. Ce sont les ordres de l'amiral Sloan. Et selon mes ordres, chaque TIE de son hangar a été entretenu et testé en vol. J'en ai serré la moitié des rivets moi-même. On est prêt. Je ne sais pas comment Titan et vous collaborez. Pas de bouclier ni d'assistance médicale. Juste une coque blindée entre l'espace et vous. Mais ça doit forger le caractère. Je n'ai jamais vu un pilote de TIE reculer devant un défi, bouclier ou pas. J'ai préparé votre chasseur selon les dernières instructions impériales. Mais si vous avez un composant préféré ou un besoin spécifique, je m'en charge. Il suffit de me le dire. Votre chasseur TIE est prêt. Bon vol. Recrue. Bienvenue chez Titan. Appelez-moi Shen. Avant que vous le demandiez, je garde mon casque, cockpit ou non. Trop d'atterrissage difficile. Nuque brisée. 5-6 fois. La cybernétique me permet de continuer. Combattre. Tomber. Se relever. Combattre à nouveau. Il y a même une petite voix de Kylo Ren. Un conseil. N'énervez pas Von Reg. Bonne conversation. À la prochaine. Le chasseur TIE. Classique, maniable, modulable. Il ne peut pas encaisser trop de tirs, mais ce n'est pas un problème pour un pilote de talent. Non, j'ai pas besoin de rien changer, je vais le garder standard. Mais en même temps, aucune mission de la Non, ça, mais au travers de son casque, il y avait la même voix que Kylo Ren. J'adore les cinématiques dans ce jeu-là, sont vraiment nice. Escadron, avec moi. Faut gérer un petit peu coruscante, mais en moins gros. Ça, c'est Osnian Prime. Ridicule. Nous devons être rapides et précis. Ils feront vite décoller les chasseurs. Ils enverront des renforts depuis la surface et depuis la station. Les rebelles arrivent. Ne partez pas. Ça m'a l'air d'être une bonne stratégie. Titan. Allez neutraliser les défenses extérieures de l'avant-poste. Là, ça va être tous les ennemis comme ça.
Parce que dans les jeux de Star Wars, c'est rare qu'on ait la chance d'être un TIE Fighter. Puis ils sont tellement le fun à conduire, ils sont rapides, ils sont précis. Là, je sais qu'on a des tourelles à aller. On devrait neutraliser le générateur de bouclier. Sans lui, les turbo lasers sont vulnérables. Ah, ok. Chasseur rebelle en approche. Restez sur vos gardes. Conversion d'urgence, allez-vous. Comme le temps, il possède une grande convertisseur de puissance d'urgence qui permet au pilote de convertir instantanément la puissance d'un système vers un autre. Peut temporairement vider vos moteurs pour un boost de puissance. Pour votre arme principale, vous videz vos armes pour charger vos turbos. Moi, je regarde sur mon ESL, il n'y a pas de parler de goule. Et à disposition.
mieux que ça. Et où le transport? Merci beaucoup Hubert pour le resub. Hubert, comment ça va? Dérapage encore. 3, 2, 1. Bon, là, c'est pas. On est en position. Go. Bon, on est matinal. Je cherchais un temps pour pouvoir continuer. Squadrons. Le matin que ça. Il en reste une tonne. C'est allumé. On a laissé le transport ennemi s'enfuir. C'est pas idéal. On me tire dessus. Transport ennemi. Faut pas m'en équiper tout seul puis détruire les tourelles en même temps là. Hein? Pas tout faire moi là. On bouge, on tourne, dérapage, puis on s'en met de voie devant. C'est la première fois que je vois le jeu. Non, il y a le fun. C'est pas le plus beau jeu graphiquement, mais il est beau pareil. Il est nouveau. Il est sorti la semaine passée, je pense. Ah oui, target-moi sur ceux-là. Bah, c'est...
FPS. Plutôt quand même pas si mal. Là. J'ai pas mal. J'ai repogné le contrôle de mes vaisseaux. Je rappelle que c'est pas un jeu standard de tir, un petit peu comme Star Fox. Le contrôle n'est pas évident. Qui est marqué comme étant atteindre. Je pense que ça doit être ça. Okay. Juste là. On va vous escorter jusqu'à la plateforme d'atterrissage. Affirmatif, chef d'escadron. On sera parti avant que les rebelles aient remarqué notre présence. C'est très immersif. Quand tu le vois arriver direct devant toi, il y arrive. Je sais pas si vous le voyez ce que je fais, mais ça. C'est pas tout le temps évident parce que tu sais, à gauche de mon cockpit, j'ai une ligne rouge puis une ligne bleue. Je peux assigner mon énergie plus sur mes moteurs, plus sur mes canons. Fait qu'il y a une gestion à faire de ça tout le temps pour. Si je veux m'en aller, il faut vraiment que je réassigne mon power sur mes moteurs. Après ça, faut que je retourne sous mes canons quand je reviens de même, parce que sinon mes canons tirent trois coups, après ça sont plus bons. Ouais, ça, pour l'instant, je suis dans l'Empire, mais c'est. S'enfuir avec l'agent Thorn, c'est la stratégie de la capitaine. Oui. Ça ne nous apportera rien de détruire un avant-poste. Mais dans le mode histoire, on fait les deux. Comme là, j'avais fait 4-5 missions en tant que. Tout ça pour mourir dans l'espace. En tant que la rébellion, puis là, je suis rendu dans l'Empire. Il m'a tiré dessus.
Ah ouais, mais j'étais pas là. Ça avait l'air que non. Ça avait l'air que je t'ai perdu encore une autre fois. Avec tes TIE Fighters, c'est ça, c'est que quand j'ai une missile qui s'en vient sur moi, j'ai de quoi pour les. Une fois que je peux larguer pour. J'avais pas besoin de votre aide. Là, je sais plus pas en tout de caler l'action, là. J'ai un X-Wing là. Je pense que c'est un A-Wing celui-là. Que les TIE Fighters ont pas de, ils ont pas de bouclier, fait que quand je me fais tirer dessus, là, c'est je me fais tirer dessus. Puis là, j'en ai un derrière moi, je pense. On booste de même. Je crois qu'ils ont une cible. Ennemi derrière vous, restez sur vos gardes. Ah oui, mais on dirait que j'ai tout le temps un ennemi derrière moi, c'est ça. Et de la misère à suivre. Bon, j'en ai un. Fuck, il m'a eu. Putain, j'ai largué mon anti-missile. Que
sur nous, agente Thorne. Les chasseurs bah. Ennemis sont détruits. Est-ce qu'il y a un petit rassemblement au Gladius? Il reste à Hubert. Vraiment pas qu'on s'en aille. Let's go, on s'en va de là. Je suis sûr que mon vaisseau est aussi beau que ça quand j'en reviens. Ah, quand même, 3 médailles sur 5. Tantôt, je n'ai eu une. J'ai un bouclier maintenant. Ouais. Ça, c'est parce que ça fait. ça fait combien de mois, là? 13e mois, fait que, parce que plus, ça fait plus qu'un an. C'est ça que tu as ce bouclier-là. Inspecter, là, c'est où faut que j'aille. Lorsque la capitaine Kerrill a parlé d'une nouvelle recrue, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai volé pendant longtemps. J'ai vu de nombreux escadrons compromis par le népotisme. Mais. Vous avez bien travaillé aujourd'hui, pilote. La plupart des exfiltrations d'espions provoquent beaucoup plus de victimes. Si l'équipe avait des doutes sur votre intégration à l'escadron Titan, vous les avez dissipés. Alors allons-y.
La capitaine Kerry l'attend. Le chiffre chanceux est 13, ouais. L'agent Thorne ne connaît peut-être pas l'emplacement précis du projet Starhawk, mais ses renseignements nous ont portés dans la bonne direction. Donc, on continue comme prévu. Oh, bonjour. Capitaine, est-ce la nouvelle recrue ? Oui. Un ajout de qualité à l'escadron, n'est-il pas vrai ? Évidemment. Beau travail avec l'agent Thorne. Vous avez dépassé les statistiques précédentes de... Oh, pardonnez-moi. Je connais déjà tellement votre profil que j'en ai oublié les présentations. Je suis LT-514, renseignement impériaux. J'ai hâte d'analyser votre performance lors de la prochaine mission. Capitaine Kerrill, pouvons-nous passer au briefing? Il me fait penser au bonhomme dans l'Empire contre-attaque qui a justement ce petit casque-là aussi. Les renseignements de l'agent Thorne ont payé. Nous avons appris qu'un convoi d'ingénieurs de la Nouvelle République transitait entre Osnian Prime et la base secrète du projet Starhawk. Leur trajectoire les emmène directement sur le territoire contesté de Decevro. Selon nos nouvelles informations, le convoi essaiera de se cacher dans un champ de débris local. Suivez le convoi parmi les épaves et aidez-le à passer en hyperespace. Nous calculerons toutes les destinations possibles selon sa trajectoire pour trouver le projet Starhawk. On ne doit pas vous détecter. On ne peut pas risquer de perdre ce convoi. Les forces impériales locales ont ordre de ne pas intervenir. Une fois que le convoi sera sorti des débris, il quittera le système, nous indiquant son QG caché. Une fois que nous aurons son vecteur de saut, revenez à l'Overseer et préparez-vous au redéploiement immédiat. J'ai déjà contacté les autorités impériales de Decevro. Elles sont informées de la situation. Vous confirmez à 100% qu'elles n'interviendront pas ? Selon mes infos, le capitaine Amos a la gâchette facile. Et c'est peu dire. Sa flotte est déjà en ruine après avoir lancé plusieurs batailles qui étaient franchement assez inutiles. Le capitaine Amos déborde d'enthousiasme. J'espère qu'il a compris. L'Empire ne doit perdre aucun élément à ce stade de la guerre. Je suis complètement d'accord, capitaine. Vu votre excellent travail sur Osnian Prime, cette mission ne devrait être qu'une formalité pour vous. Oui. J'ai eu raison de vous faire confiance. Ne me décevez pas. Ce sera tout. Ne me décevez pas cette fois. Merci, Dark Valor. Dark Valor. Les renseignements de l'agent Thorne ont payé. Nous avons leur trace. Ok, ils sont déjà vu. Une simple mission rapide, en apparence sans danger pour nous, mais ne baissez pas la garde. On n'est jamais à l'abri des sales coups que nous réservent les rebelles. Decevro. C'est loin de la civilisation. Je n'ai pas vu la bordure extérieure depuis l'insurrection sur Krigo. Alors, on y va. Prenez votre TIE. La capitaine a des comptes à régler via le projet Starhawk. Une vengeance contre Lyndon James. Croyez-moi, il n'y a rien de plus motivant que la trahison. J'ai vu tellement de pilotes, des amis, devenir des traîtres. J'ai beau les éliminer. Il y en a toujours plus. Eden Versio. Honnêtement, j'ai remarqué aussi ce Hubert. Ce ne sont pas que des traîtres, ce sont des parasites. Tu sais, ce que j'aime, c'est qu'ils ont quand même adapté le doublage des lèvres, le mouvement des lèvres avec les voix françaises aussi. Ils font quand même plusieurs mouvements. Tu sais, ils parlent pas en anglais, tu vois qu'ils parlent en français, les lèvres et tout, c'est quand même pas pire. J'aime ça quand les concepteurs de jeux font des petits détails comme ça, mais qui rendent le jeu
encore plus immersif. Tu sais, t'as l'impression que les personnes parlent quand même, pas pire. C'est pas juste du babou, 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 babou tout le temps. Avec cet équipement, il peut désactiver les chasseurs ennemis avec des lasers ioniques. J'ai aussi installé un système de brouillage pour vous rendre invisible des radars ennemis et des boucliers tactiques pour protéger les TIE alliés. C'est un drôle de taille, ça. On les ennemis peuvent normalement vous détecter loin de son capteur, mais comment la partie de manière furtive. Utilisez le masque de squadron pour faire temporairement disparaître vos alliés capteurs ennemis. Puis sur L1. On peut utiliser ces débris pour se cacher et se rapprocher du convoi. Mais levez le pied, votre manque de discrétion risque de faire échouer la mission. Bien vu. Sacré convoi pour protéger des ingénieurs rebelles. Pourquoi ne pas les détruire et empêcher ces intellos d'atteindre leur destination? Patience, Von Reg. On aura plein de nouvelles cibles une fois qu'on aura localisé le projet Starhawk. Oui, chef. Vous avez raison. Mieux vaut les frapper à la source plutôt que de les ralentir. Progressez dans les débris. Continuez comme ça. Ralentissez. S'il vous repère, toute cette mission n'aura servi à rien. Overseer, on est en position. Attendez, Titan. Patience. Souvenez-vous de ce que nous avons appris lors de la bataille de Varsha. Comment pourrais-je oublier? On frappera au bon moment. Et pas simplement parce qu'on peut. Le destroyer stellaire Tormentor émerge de l'hyperespace près du champ de débris. Oh non! Mais c'est une blague! Capitaine Ramos, qu'est-ce que ça signifie? Vous laissez notre ennemi s'enfuir, Capitaine Kirill. Je ne serai pas aussi clément. Tirez les missiles! On ne peut pas perdre ce convoi Titan! Détruisez les missiles du Tormentor! Capitaine Ramos, vous êtes en train de compromettre une mission délicate. Délicate? Nous sommes en guerre. Nous n'avons qu'une mission. Éliminer cette nouvelle république. Titan 3, faites exploser les missiles. Mais quel imbécile. Le convoi a été informé de notre présence. On ne pourra plus voir où il va. Convoi touché. Presque n'est pas sûr. C'est de la folie. Le Tormentor est gravement endommagé. Il est encore capable de détruire quelques vaisseaux rebelles. Regardez les épaves autour de vous. Ce que je vois, c'est des chasseurs TIE. En pièces, détruits. Les vôtres, j'imagine. Chaque victoire a un prix. Ce missile a touché sa cible. Maximale, arrêtez ce convoi dispersé. Rien ne vaut l'entraînement. Continuez, Titan 3, on a besoin de ça. Le convoi se fait malmener. Titan, le Tormentor tire une autre volée de missiles. On s'en occupe. Bref. Je suis chargé de sauver des rebelles.
sa cible. C'est ça, oui. Salut Julien. Excellent. Je déploie les navettes lambda pour les aborder et s'emparer de leurs données de navigation. On protège les navettes. Combien ? Grâce au capitaine Amos, nous n'avons plus d'autre choix pour trouver le projet Starhawk que de récupérer physiquement les données de navigation. Je suis avec vous. Peindre les navettes. Là. Ok, le bouclier tactique est un générateur de bouclier porteur que vous pouvez lancer sur que vous pouvez lancer sur des cibles amies. Ok, là ça. Déployez les boucliers pour protéger nos navettes. Navette, préparez-vous à l'abordage. Emparez-vous des données et trouvez la destination de ces vaisseaux. Titan 3, aidez-nous à achever les chasseurs ennemis. Continuez. La section d'abordage est entrée dans le transport. Tenez-vous prêts. À moi maintenant. C'est l'or chez moi. Détruire, pas désactiver. Capitaine Amos, vous allez perdre cette bataille.
Là, je peux-tu... La puissance impériale l'emportera toujours. Navette, préparez-vous à l'abordage. Emparez-vous des données et trouvez la destination de ces vaisseaux. Je vous implore de vous replier. Et ternir mon bilan sans faille. Vous ne faites pas le poids, chef. Parce que vous avez détruit mes missiles. La section d'abordage est entrée dans le transport. Tenez-vous prêts. Abattez les derniers chasseurs rebelles. Très bien. Faites donc comme il vous plaît, Capitaine Amos. Oh. Et dans ce cas, toute la gloire sera mienne. Hey, là, c'est malin. Lâchez-moi. Impressionnant. Navette, préparez-vous à l'abordage. Emparez-vous des données et trouvez la destination de ces vaisseaux. Ah oui, mais ça me lâche pas. Tenez-vous prêt. Il reste une poignée de rebelles. Pulvérisez les titans. Vous êtes en sécurité. Dans la nuit, putain. Je dois recharger. Bon, je suis lancé. Mmh. Tu sais, j'en rentre tout de suite, j'ai un verrouillage ennemi. Il croit pouvoir me suivre. Navette atteinte, on bouge. Ennemi a verrouillé. Rebelle a verrouillé sa cible. Square dans un jeep de l'espérance. Avec là, le désastre missile tout le temps, là. J'ai beau faire n'importe quoi, je suis pas capable d'aider. C'est même si je fais un dérapage de même. Mais voyons donc! Thank you.
Ça va être plus cool. Vous ne faites pas le poids, chef. Parce que vous avez détruit mes missiles. De rien. Très bien. Faites donc comme il vous plaira, Capitaine Amos. Oh. Et dans ce cas, toute la gloire sera mienne. Occupez-vous de vos affaires la prochaine fois. Quelqu'un me suit. Je pense que j'essaie de faire. Oui, mais qu'est-ce que tu penses que j'essaie de faire? Parce que moi aussi, j'ai besoin d'un bouclier, tu pètes. Pas gros, il y en reste un là. Deux. Bon travail. J'examine les données de navigation. Capitaine, le Tormentor est pris pour cible. Sa destruction n'est qu'une question de minutes. C'est de la folie. Titan, retournez au Tormentor et couvrez son repli. Bien reçu. Rappelez votre escadron. Je n'en ai pas besoin. Vous êtes prêts à vous replier ? Jamais. Vous ne survivrez pas à cette attaque, Capitaine Amos. Nous verrons. Ghoul qui me demande si tu vas lever encore longtemps, je sais pas. Il est quoi, il est 9h40? C'est encore une petite demi-heure. Capitaine Kirill, la frégate va bientôt se désintégrer. Le Tormentor est trop près. Amos, engagez les manœuvres d'évitement. De quoi est-ce que vous parlez ?
La frégate va exploser. Mais j'ai gagné. Voyage réussi, Titan 3. Il est mort. Quel gâchis. Au moins, on a ce qu'on est venu chercher. Quand Amos a grillé notre couverture. On était si proches. Cet imbécile d'Amos mérite de mourir avec son vaisseau. Connaître le secteur nous permet de recentrer nos recherches. On va trouver Lyndon très vite. Titan, éliminez le convoi. Lyndon doit savoir que nous venons le chercher. Okay. Trois médailles encore. Puis là, on va revenir les rebelles. Ouais, on est revenu les rebelles. Ah, vous voilà. Je vous cherchais sur les chantiers navals. Au lieu de ça, j'ai dû traîner avec un groupe d'ingénieurs. Ils m'ont dit qu'un convoi entier de nouveaux ingénieurs avait été intercepté par l'Empire. Aucun survivant. Tout porte à croire qu'il y a une taupe sur Ostian Prime et qu'elle a tout raconté. Comme vous pouvez l'imaginer, tout le monde a peur sur les chantiers navals. J'ai une partie de Panzac prévue avec eux plus tard pour leur remonter le moral. On peut bien les aider, non? Mais entre nous, quelque chose se prépare. Quelque chose de plus important que les ingénieurs disparus. Ardo ne parle pas et le patron est resté enfermé dans la salle de briefing toute la journée. Je pense qu'il nous l'aurait dit si ce n'était qu'un problème de disparition d'ingénieurs. Non, il y a autre chose. Je parie sur une affaire à terminer. Comme un sombre secret laissé derrière lui quand il a abandonné l'Empire. Ou pas. Qu'est-ce que j'en sais? Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui ne peut pas résoudre avec un vaisseau de combat géant. Pourquoi n'iriez-vous pas dans la salle de briefing? Le boss pourrait peut-être vous en dire plus. Vous avez raison, Lyndon. Mes contacts ont confirmé vos doutes. C'est elle. Bonjour, Absolupix. Je le savais, toutes ses attaques portent sa marque. On connaît son style. Elle a attaqué Ostian Prime et le convoi d'ingénieurs pour une seule raison. Elle cherche le projet Starhawk. C'est pourquoi j'ai déjà pris des mesures pour l'arrêter. Avant qu'elle ne trouve les chantiers navals de Nadiri. Non, sur PS4. Avant d'avoir d'autres blessés. Lyndon. Qu'avez-vous fait? Du calme, Ardo. J'ai simplement envoyé un message à Terissa. Elle ne pourra pas l'ignorer. Une ancienne protégée, Terissa Kirill, dirige l'Empire à la recherche du projet Starhawk. Elle ne s'arrêtera pas tant qu'il ne sera pas détruit. C'est quoi un HOTAS? J'ai envoyé un message qui, on le sait, a été intercepté par un poste d'écoute impérial caché près des Célestes. Quel était le message? Un appât pour Terissa. Et maintenant que le poste impérial a rempli son objectif,
Nous sommes prêts pour la phase 2. Un manche de navigation, j'imagine ça doit être vraiment nice. Si tu parles d'un joystick. Ça pensera que nous avons quelque chose à cacher et suivra. Honnêtement, j'imagine que oui. Moi, je joue sur une manette standard, puis honnêtement, j'aime ça. Mais en VR, puis avec un manche, là, ça doit être pas payé. Gunny vous aidera et ravitaillera. Ça doit être vraiment nice. Voici vos cibles. Nous avons identifié les récepteurs le long de la coque comme des points faibles. Détruisez-les tous. Détruisez aussi les systèmes de régulation thermique le long de la tranchée extérieure et tout ce qui se trouve au sommet du poste d'écoute. Si vous réussissez, nous priverons l'Empire d'un atout de valeur. Et Terissa tombera en plein dans notre piège. Terissa Kirill était ma commandante en second à Port Fostar. Elle était ma protégée. Elle est passée d'orpheline des rues de Coruscant à capitaine de son propre destroyer stellaire. L'Empire lui a tout donné, et elle fera tout pour le défendre. C'est pour cela que je tais certains détails. Avec Terissa dans la partie, toute fuite est un risque. Faites-moi confiance, un peu plus longtemps. Allez au hangar, Zerelda a dû préparer votre vaisseau. Ok, je vais faire cette mission-là, puis après ça, je pense que je vais arrêter. Il est quelle heure, là? Il est 9h46. Je dois dire que le plan du commandant est intelligent. Tous ses secrets et subterfuges, c'est presque impérial. Je sais que la Nouvelle République lutte pour être meilleure que l'Empire, mais il faut reconnaître que ses tactiques sont efficaces. Sans aller jusqu'à les adopter, évidemment, mais c'est la guerre. Il faut parfois savoir penser comme son ennemi pour le battre. Nous avons de la chance, le commandant utilise son intelligence tactique en notre faveur. Concentrons-nous sur la mission. Personne d'autre qui peut jaser. Ok, on y va. Que James parle de Kirill, on le sent concerné, hein? Il a vraiment dû prendre soin d'elle pour ressentir une telle douleur. Je crois pas que ce soit une coïncidence que l'Empire ait envoyé Terissa pour trouver James. Ça m'a l'air personnel. Ils doivent tous les deux souffrir. Et la souffrance se transforme facilement en haine. La haine incurable n'a pas sa place dans la galaxie. Si le combat est la seule option, qu'il en soit ainsi. On y va? Let's go. Avec un I-Wing, un Y-Wing. Pour transporter des bombes et d'autres puissants explosifs. Ça les ralentit, mais ils sont efficaces face aux cibles de grande taille et aux vaisseaux amiraux. En plus, il faudrait bombarder les systèmes de défense sur la grosse base. Ça va être le fun. Opération là, tout entendu. Tout ce qu'elle veut, c'est trouver notre Starhawk, Frisk. Non, évidemment, évidemment. Mais il vaut mieux pulvériser ce poste d'écoute à tout jamais, pas vrai. Pour la sécurité de notre nouveau vaisseau de combat et uniquement pour ça. Opérance, ici l'escadron Vanguard. Nous approchons du poste d'écoute. Excellent. À votre arrivée, vous devriez pouvoir entendre des conversations impériales. Vous remercierez Ardo et son réseau espion plus tard. Formons les rangs avec notre corvette, ça fera des interférences pendant l'affrontement. Ce poste d'écoute est au milieu de nulle part. Comment le chef a-t-il fait pour trouver cet endroit? Il a envoyé un message en espérant que l'Empire l'intercepterait et nous révélerait l'emplacement de l'avant-poste. Et ils ont mordu à l'hameçon. C'était pas gagné. Il pouvait pas savoir que ça fonctionnerait. À moins que son message ait été tellement alléchant que l'Empire n'ait pas eu d'autre choix que de l'intercepter. Qu'est-ce qui pourrait être aussi tentant? C'est ça le truc. James refuse de nous le dire. Mais c'est une graine qui germera et se transformera en piège. Concentrons-nous sur la mission. On s'occupera des détails du piège plus tard.
les décors sont vraiment beaux, sérieusement. Vous avez construit ce poste d'écoute pour trouver le Starhawk? Celui-ci, peut-être. Mais ce n'est pas le seul poste d'écoute à espionner la galaxie. Eh ben, ils ont vraiment l'air prêts à tout pour nous trouver. Je parie que l'Empire ne supporte pas qu'on construise un nouveau vaisseau à partir de ces anciennes pièces. Voilà notre poste d'écoute. Je brouillerai les capteurs impériaux pendant l'approche. J'adore ça, ils ne nous verront jamais arriver. Faisons-leur regretter d'avoir écouté la Nouvelle République. Donnez-moi le temps, là. C'est de la pure méchanceté. Bon boulot, 5. You. Regarde. Je vais mettre des outils en arrière juste pour que je ne me fasse pas suivre. Tu sais que le réseau de communication c'est facultatif, ça serait peut-être pas bien de le faire à Paris. Je l'ai senti d'ici, pas mal, 5. Yes. Vous les laissez
Ah, là on se regroupe. Regroupement sur la position de Gunny. Très bien, nous enverrons le Vanguard Leader. L'ennemi m'a touché. C'est un verrouillage ennemi. Ok, 5. Rassemblement au bord de la station. Il est grand temps de s'occuper des systèmes thermiques. J'ai entendu trop vite. J'en viens derrière moi. Bouclier détruit. C'est pas mal du tout, camarade. Ok, bombardement de précision. Si on peut faire une cible, les bombes sont larguées sous votre vaisseau, donc placez au-dessus de la cible. Inclinez-vous avec elle, ouais. Comme ça. Que je suis. J'ai entendu trop vite. J'en ai un derrière moi. Plus par là. Vous avez fait. Ok, on a là. Vous êtes tranquille maintenant. On a encore beaucoup de TIE qui arrivent. Notre corvette essuie de nombreux tirs. Corvette.
était ici, il y a deux secondes. Vous êtes tranquille maintenant. Ok. Vanguard, l'Empire vient d'ouvrir une énorme bouche d'aération sur le poste d'écoute. Les systèmes thermiques doivent être en surcharge. Ils essaient de refroidir le noyau. À la bouche d'aération, j'ai une idée. Ça c'était nice. Ok, très bien. Oh, bravo tout le monde. On se regroupe pour le saut en hyperespace. J'adore regarder pour les détruits de l'Empire. Vraiment. Échec de l'opération qu'ils ont avec l'original stellaire, ouais, un rignard. Deux médailles sur cinq, c'est pas super. Bon, on va revenir au menu principal. L'autre fois, j'ai joué que 2h40. Si on enlève peut-être la demi-heure, ça veut dire que là, j'ai 2 heures de fête sur le premier live. J'ai un autre 2 heures là, ça veut dire qu'on est à 4 heures dans l'histoire. D'après ce que j'ai vu, l'histoire de ce jeu-là dure, le mode histoire là, dure à peu près entre 6 et 8 heures. Fait que. Peut-être qu'au prochain live, on pourrait avoir la chance de le finir. Sinon, ça va être l'autre après. Fait que le jeu, on est peut-être à la moitié du jeu, là, c'est pas pire. Fait que non, il est vraiment le fun. On dirait que plus ça avance, plus j'ai le contrôle du vaisseau, puis c'est le fun. C'est juste que quand tu te fais targeter par du monde en arrière de toi, ils sont durs à. Ils sont durs à semer. Fait que non, il est vraiment le fun.
vraiment, vraiment le fun. Puis après ça, peut-être que je commencerai Genshin. Comme j'ai dit au début du live, j'ai commencé à aller voir du monde. Tantôt, je jouais, pas jouais, mais j'écoutais Sir Thomas, un streamer français qui jouait. Puis j'ai vu quelques bouts qui avaient de l'air intéressants. Surtout, à un moment donné, t'es dans un village, la musique était belle, l'ambiance était le fun. Fait que ça m'a comme. Ça m'a titillé un peu. Un jeu que ça me tente de jouer à ce temps-là aussi, c'est Breath of the Wild, encore une fois. Fait que peut-être que je pourrais aller jouer à Genshin pour justement assouvir mon désir de jouer à Breath of the Wild. Voyons. Puis Julien, l'autre fois, tu me disais d'aller voir le trailer de Age of Calamity, là. Puis honnêtement, il a vraiment l'air le fun. Tu sais, le premier, Hyrule Warriors, je l'avais fini au complet, moi, sur la Wii U. Je l'ai pas sur la Switch. Avec les DLC et tout ça, là, mais j'ai pas essayé celui-là non plus sur la 3DS, mais celui sur la Wii U, je l'ai adoré, mais vraiment adoré. Fait que j'ai hâte de voir celui-là. Sort le 20 novembre, je pense. Il est vraiment nice. J'ai vraiment hâte de qu'il sorte. Ça, c'est le genre de jeu que je pourrais aussi bien me pogner au mois de novembre, puis le faire en live. Surtout que c'est comme la pré... La prélogie, pas la prélogie, mais le je ne veux pas m'installer dans un nouveau jeu maintenant. Non, c'est ça que j'ai dit aussi l'autre fois, Hubert, quand j'ai streamé mercredi. Tu sais, je voulais jouer à Star Wars parce que je savais que c'était pas un jeu dans lequel il fallait que je m'investisse à fond non plus. Surtout que je suis pas dans une pause de jeux vidéo vraiment beaucoup de ce temps-là, sauf que tu sais. Sans dire que je suis revenu dans une pause, j'essaie d'y aller plus de façon mieux balancée. Tu sais, regarde, on fait beaucoup de musique de ce temps-là, je fais beaucoup de photographie, j'ai fait 2 lives cette semaine de jeu. Je vais essayer d'en faire au moins 1 à 2 autres aussi encore au courant de la semaine. Fait que tu sais, je pense que si je fais un petit peu de tout, avoir une bonne balance, fait que ça va être quand même pas si mal. Plutôt que de juste m'investir dans les jeux, après ça, puis être capable de jouer à des jeux, juste faire de la musique, puis après ça, puis être capable de faire de la musique, juste, tu sais, j'aime mieux faire un petit peu de tout. Je pense que c'est quand même pas pire. T'sais, hier, j'ai passé ma soirée à essayer de photographier Mars, mais ma lentille est pas assez grande, fait que là, j'en attends une autre que je m'étais commandée il y a quelques semaines. Petite lentille chinoise, là, mais c'est une espèce de télescope, là, fait que je sais pas si ça va être bon, là, ça a l'air cheap, mais... J'ai bien hâte qu'il arrive, là. Ça devrait arriver d'ici une semaine ou deux. Là. Ça, je vais être capable de faire des belles photos de la Lune et des planètes. Surtout qu'au mois d'octobre, là, il y a plein de planètes, on les voit toutes. Là, fait que j'aimerais ça vous mettre des belles photos sur Facebook. Hier, j'ai failli mettre une photo de Mars, mais elle n'est pas assez belle à mon goût. On voit juste une petite boule rouge, mais j'aimerais ça avoir des détails un peu. Fait que là-dessus, moi je vais vous dire bonne journée. Y'a-tu du monde qui va aller raider? On est quand même pas beaucoup, mais. Y'a la gamacherie qui est là. Vorpal Joe, Sir Thomas, Harry Live, Max Tremblay. Moi, je sais que la gamacherie, eux autres, ils m'ont souvent raider. Fait que je pourrais peut-être aller. Laurent, eux autres, ils font un défi eau et sueur. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais attendre que l'annonce passe, que je puisse voir c'est quoi, là. Mais je pense que c'est là qu'on va aller, la gamacherie. Je sais que Bob et Matt, ils m'ont souvent raidé, là, fait que ça serait pas pire. Mais, juste aller voir qu'est-ce qu'ils font, si c'est intéressant pour vous autres aussi. Ouais, il joue à un jeu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un jeu de Switch. Bon, on va aller voir ça. La gamacherie, comme je vous dis, ça fait longtemps que je les connais. Ils m'ont. Hey, mais tu sais que j'ai pas accès à mon chat sur Streamlab? Ok, mon chat était juste bloqué. C'était bizarre. Ok. I raid la gamacherie. Je sais qu'on n'est pas beaucoup, mais en tout cas.
Bon, mais là-dessus, je vais vous mettre mon écran de fin. Puis, on se retrouve très bientôt. Je vais vous mettre ça sur Discord quand je vais revenir en live. Fait que bye tout le monde, bonne journée. Puis, à très bientôt.